Moi, madame. Votre
ton sarcastique et désobligeant. Vous étiez quand même plutôt satisfait de voir arriver dans la corbeille de mariage la fortune que mon père y avait déposée. Ah, mais pour ça, elle avait du flair, mon paternel. Il savait très bien qu'avec un homme d'affaires de ma trempe, le magot familial serait entre de bonnes mains. Hein, Georgette, passez-moi le tensiomètre qui se trouve dans cette valise, s'il vous plaît. Encore ? Ah, oh, mais quelle manie vous avez de toujours prendre votre tension. Ben, je te rappelle que les maladies vasculaires ont envoyé la plupart de mes ancêtres au cimetière. Eh bien voilà, une tare familiale de plus. Décidément, la génétique ne gâte guère les roursicots. Dois-je ranger les valises, madame ? Oui, bien entendu, Georgette. 15-9, hein ? Voilà. Continue comme ça, les artères sont au bord de l'éclatement. Et qu'il y a raison de plus pour reposer dans un bon lit. On repose avec toi ? Je rigole. Oh. Et puis si c'est pour dormir, vous pouvez très bien le faire chez moi. Pas besoin de venir jusqu'à Biarritz, surtout qu'à cette époque de l'année, s'emmerde à 100 sous de l'heure ici. Ben, au moins ici, dans cette ville, vous êtes à l'abri des journalistes, mon ami. Oh, ces amis, tu sais très bien que ça m'agace. Ben, c'est pourtant l'usage, entre époux, dans la bonne société. Ouais, je me fous de ta bonne société. Oh, voilà. Quelle vulgarité. Oh, là, vous tenez ce trait de caractère de votre mère. Ça fait 15 ans que tu me pompes à l'air avec ton langage de précieuse ridicule. Quoi ? Enfin, vous êtes devenu bel et bien hypochondriaque ? Oh ! Une bonne fois pour toutes, je ne suis pas hypochondriaque ! Merde ! Oh là là ! Voilà ! 18-12 ! Comme ça, et tu m'as un morceau à la conscience, c'est moi qui te le dis. Bah, décidément, vous n'êtes plus vous-même. Oh, que n'ai-je eu l'idée d'appeler plutôt un psychiatre. Comment ? Quel psychiatre ? Eh bien, j'ai demandé au docteur Chalandon, une sommité en neuropsychiatrie, de venir vous examiner. Puisse la médecine vous venir en aide. Ouais, c'est ça, fais-moi passer pour un cinglé, Pelantillé. Oh. Non, mais j'ai une idée, là. Les psychiatres sont bien les médecins des fous, si je m'abuse. Eh oui ? Eh bien, il va en boire un de fou, c'est moi qui te le dis. Oh, Hubert, je vous serais gré de ne point faire l'enfant. Ah, mais pas l'enfant, mais le fou, je te dis. Oh là là. Quel service à thé dois-je préparer, madame? Montez à l'étage, Georgette, et je vous rejoins. Bien, madame. Bon, en attendant, Hubert, écoutez la radio. Ça vous mettra peut-être en meilleure disposition d'esprit. Il est très exactement 11h. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui la journée de la joie et de la bonne humeur. Pour plus d'informations, hausse du coût de la vie, augmentation du prix des produits pétroliers, aggravation du chômage. Dans un contexte aussi morose, on comprend que le moral de nos compatriotes n'a jamais été aussi bas. Mais comme ça, je suis pas tout seul au moins. Les prix sur les marchés financiers. L'action Fromage de Normandie est à épingler. Elle a perdu 20% de sa valeur en une seule journée. Cette chute n'est pas sans lien avec les informations alarmistes qui courent au sujet de l'état de santé de son PDG, M. Poncy. Ah, les chacals. Météo, le ciel est avec nous en cette journée de la joie et de la bonne humeur. En effet, un puissant anticyclone se développe sur la France. Soleil, enfin. La chaleur sera au rendez-vous. Une exception tout de même. L'extrême sud-ouest est principalement Biarritz, qui restera sous l'influence des masses d'air maritimes froides et instables. Je suis maudit. À présent, notre émission Chantons dans la joie, je vous laisse en compagnie de Georges Massens. Le sang est triste comme un passion, dans le lieu qui parle suit. Me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne? Arrêtez-moi cette radio, une minute depuis que je meurs. Monsieur, a-t-il besoin de quelque chose? Non, merci, Georgette. Si monsieur se sent seul, je peux lui faire un vrai de Cosette. Non, vous allez le regretter. Je suis d'humeur cafardeuse en ce moment. Ça ne fait rien, j'aime tenir compagnie à monsieur. Vous êtes indulgente, Georgette. Ça me fait de la peine de voir monsieur aussi abattu. Parce que, si j'ose me permettre, j'y ai toujours beaucoup apprécié monsieur.
Et car je lis beaucoup, c'est beaucoup. J'ai toujours admiré son charme. Mon charme, hein, faut bien le chercher. Hein, en ce moment, je suis plutôt un remède contre l'amour, mais vous êtes gentil et ça me change de ma femme. Monsieur ne se sent pas bien? 12-8. Ah, mais c'est bien ce que je disais. Vous me changez de ma femme. Oui, monsieur. Tenez, il y a des signes qui ne trompent pas. Reprenez-moi ce matériel. Grâce à vous, je n'en ai plus besoin. Si l'attention de monsieur s'améliore, c'est que je suis guéri. Ah non, ce n'est qu'une illusion, Georgette. Je suis un homme foutu. Il ne faut pas dire ça, monsieur. Où sont passés votre courage et votre vitalité? Je me suis trop donné dans le travail. Le moteur a calé. Il ne repartira plus. Alors, alors. Un PDG comme monsieur, que tout le monde appelle l'empereur du fromage, n'a pas le droit de s'encourager. Prenez exemple sur Napoléon. Ah, tiens, vous faites bien de me comparer à Napoléon. Lui était exilé à Sainte-Hélène, tandis que moi, je le suis à Biarritz. C'est étrange comme nos destinées se rapprochent. Tu as besoin de repos et de prendre une cure de sommeil. Ah non, surtout pas dormir. Non, ça ne ferait qu'aggraver mon cas. Et je ne suis pas le seul à le dire. Homère écrivait, l'excès de sommeil fatigue. Homère a écrit ça, oui. C'est étonnant. Ah, vous le connaissez, Homère? Bien sûr, je le vois tous les soirs à la télévision. Vous parlez bien d'Homère Simpson. Non, je ne parle pas du personnage de dessin animé, mais de l'auteur de l'Odyssée. Ah, oh, mais l'Odyssée de l'espace, je connais aussi, j'ai vu le film. Bon, évitez de dire de telles niaiseries devant ma femme, parce que ça lui gâterait l'humeur, c'est moi qui ferais. Ah, voilà le docteur. Introduisez-le, Georgette. Il va se rappeler longtemps de sa consultation. C'est moi qui te le dis. Hubert, je vous engage d'engager un comportement digne de votre condition. J'ai bien l'air fou comme ça, là. Hubert, un peu de sérieux. Docteur, c'est très aimable à vous de vous être déplacé. Ce n'est pas l'usage, mais dans ce cas-ci. Voilà, je ne fais pas n'importe qui. Je vous en prie. Monsieur, 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 entendez-vous? Monsieur, vous, me voyez-vous? Père, cessez de faire votre intéressant. Vous commencez par examiner le fond de l'œil. Ne bougez pas, monsieur. L'aspect de la rétine est normal. Je suis désolée du comportement de mon mari. Et il n'en est pas responsable, madame. Oh, que si, détrompez-vous, docteur. C'est de la comédie. Voyons maintenant le réflexe d'extension. Mettez-moi à soir le malade. Oui, très bien, docteur. Tout de suite, j'appelle Georgette. Merci. Georgette, aidez-nous à transporter monsieur sur ce meuble. Monsieur, on va vous déplacer. Bon, allez, un peu mieux que ça, Georgette. Est-ce que je peux, madame? Hubert, un peu de sérieux. Que si, il m'entend. Normalement. La percussion du tendon rotulien devrait entraîner une légère extension de la jambe. Mais père, êtes-vous devenu fou? Oh, docteur, je suis confuse. Voulez-vous que la servante nous apporte quelques glaçons pour soulager la douleur? Ça va passer, madame, ça va passer. Normalement, je devrais mesurer l'extension de votre jambe. Dans ce cas-ci, on s'en passera. Vous avez raison, docteur. Je n'ai pas envie que vous repartiez chez vous en fauteuil roulant. Votre mari est immédiatement alité, madame. Ah oui, ben ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il sera moins dangereux une fois couché. Vous allez voir, ce puissant sédatif, oui, agit dans le quart d'heure. Autant vous prévenir, il prend parfois des hallucinations au réveil. Ah bon? Georgette, aidez-nous à transporter monsieur dans la chambre. Nous sommes.
attention. Oh là là. Oh là là, je le savais capable de bien effacer ici. Mais alors cette fois-ci, il dépasse la mesure. Qu'est-il arrivé à monsieur? Rien, cet idiot croit faire le malin en jouant la comédie. Mais il est complètement dans les vapes. Oh. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Ben, Hubert, docteur, vous arrive-t-il? Au moment où je lui mettais le comprimé dans la bouche, il m'a mordu ce con. Je suis très contente. Arrêtez, j'appelle une ambulance. Une ambulance? Vous voulez que tu te rassures? Mais ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le second Tico. Docteur, ne me dites pas que vous allez l'hospitaliser. Non. L'interner, madame. Ah non, alors, écoutez, docteur, je vous dois la vérité. Mon mari simule la folie pour vous provoquer. Ah oui, et ceci, est-ce de la simulation? Mais votre mari est frappé de folie. Furieuse, madame. Ne l'internez pas, docteur. Je prends sur moi de le garder ici le temps de sa guérison. Écoutez, c'est comme vous voudrez, mais je vous préviens. C'est à vos risques, c'est péril. Mais j'assumerai, docteur, j'assumerai. Bon, parfait. Bon, maintenant, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Ah, mais je vous en prie, docteur. Il serait peut-être préférable que cette conversation ait lieu en privé. Georgette, vous pouvez disposer. Pour une fois qu'il se passe quelque chose d'important dans cette maison. Je vous en prie, docteur. Asseyez-vous. Parfait. Alors, votre mari a-t-il subi récemment un traumatisme? Non, docteur. Pas que je sache. Lui arrive-t-il d'être surnommé? Évidemment. Connaissez-vous un PDG qui ne l'est pas? Je vous rappelle que mon mari a de grandes responsabilités. Qu'en est-il de votre relation de couple? Oh, docteur, mieux vaut ne pas en parler. Madame, c'est indispensable pour le diagnostic. Alors, comment dire? Hubert et moi sommes mal assortis l'un à l'autre. Je suis issue de la noblesse, tandis que lui vient d'une famille modeste. Moi, qui rêvais d'adresse, je suis tombée sur un être qui n'a aucune affinité avec le beau monde. Enfin, monsieur Boursicot n'est quand même pas n'importe qui. Ah, certes. Sa seule qualité est le sens des affaires. Et les anciens Grecs disaient avec raison, un singe sera toujours singe, fut-il vêtu de pourpre. Depuis 15 ans que nous sommes mariés, docteur, je n'ai jamais réussi à lui inculquer les bonnes manières. Parlez-moi... Allez. Parlez-moi de sa mère. Sa mère, docteur, il n'y a personne plus ordinaire. Une vraie cantinière. À la garden party, où elle était invitée par le préfet, je ne sais trop pourquoi d'ailleurs, je l'ai entendue crier devant un parterre d'actionnaires, « Hubert, ferme ta braguette !» Oui, et c'est un langage adopté devant une assemblée de notables. La discrétion est un signe de l'élégance, me semble-t-il. Certes. Bien que la bienséance ordonnait à cette femme d'utiliser un langage moins trivial, du style « l'impératrice est à sa fenêtre » ou « la princesse est au balcon ». Votre mari en aurait-il saisi le sens? Ah, j'en doute. Sa culture s'arrête à ses fromages. Et le fromage, quand on parle d'une braguette, n'inspire guère à la finesse. Mais qu'elle aurait pu lui lancer quand même, cacher ce caprice des dieux pour lesquels les anges sont dieux. C'eût été quand même plus distingué que de dire « Hubert, ferme ta braguette ». On reconnaît bien là en vous la femme de vous. Ah, n'est-ce pas? On est bien né, docteur, ou on n'est pas? Justement, comment ça veut dire qu'une dame de votre condition ait épousé un homme aussi différent? Eh bien, comme je vous l'ai dit, docteur, Hubert est brillant en affaires. Et dans le bon monde, une union avec la roture se conçoit lorsque l'intérêt financier l'exige. Oui, une question quand même, bon, un peu plus intime. Qu'en est-il de sa libido? Oh, Georgette! Sa libido, docteur, elle s'est complètement évaporée. Mais encore? Lui, qui se montrait plutôt ardent, ne manifeste plus le moindre désir. Oserais-je dire, docteur, plus le moindre frétillement? Je note. Oui. Plus le moindre frétillement. Voir son mari éteint à ce point est plutôt inquiétant.
Ah, je vais vous faire une confidence, docteur. Mon mari me fait penser à un seul pleureur. Comment cela? Ben, imaginez le rameau d'un seul pleureur qui bandouille. Personne n'imagine qu'un jour il puisse se redresser tout seul. Eh bien, Robert, c'est pareil. L'image parle d'elle-même. N'est-ce pas, docteur? Écoutez, je vous remercie pour tous ces renseignements. Bon, alors, quelle est votre opinion, docteur? Car vous n'ignorez pas que l'état de santé de mon mari a une influence sur l'économie du pays tout entier. Oui, mais vous savez, madame, le cas est quand même assez particulier. Oui. Donc, avant de me prononcer, j'aimerais quand même prendre l'avis d'un confrère. Si vous le permettez, je vais passer le coup de téléphone de ma voiture. Oui, je vous en prie, docteur. À tout à l'heure. Faites à votre guise. Merci. À tout à l'heure, docteur. Merci beaucoup. Me voilà débarrassé de ce charlatan. Comment, mais vous ne dormez pas? J'ai horreur qu'on me force à prendre des médicaments. Vous avez mordu le docteur comme un chien enragé. Mmh. J'ai honte de vous. Mais ça lui fera passer l'envie de remettre les pieds ici, voilà tout. Oh là là, vous n'avez donc aucun souci de votre dignité? Ah, ma dignité, hein? Au point où j'en suis! Monsieur a repris de la vigueur à ce que je vois. Non, ce n'est qu'une illusion, Georgette. Je suis au bout du rouleau. Monsieur, sait-il que nous sommes le jour de la joie et de la bonne humeur? Ah ben oui. Je me demande bien quel idiot a pu décréter une bêtise pareille. Aujourd'hui, tout le monde doit être gai comme un pinson. Ah non, 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 surtout pas comme un pinson. Ah pourquoi? Connaissez-vous la destinée du pinson? Monsieur a de ces questions. L'hiver, la plupart de ces petites bêtes meurent de froid. Et celles qui en réchappent, font manger par les rapaces. Monsieur ne devrait pas me dire ça à moi, qui aime tant les petits oiseaux. Ah, mais personne ne peut rien contre la loi de la nature. Monsieur devrait abandonner ses idées noires et profiter de la vie. La vie. Vous en savez quelque chose, la vie, Georgette? Non, n'avez pas la moindre idée. La vie est comparable à une moisissure immonde qui grouille à la surface de la terre. La vie est une maladie sexuellement transmissible. Donc personne, vous m'entendez? Personne n'en réchappe. Voilà ce que c'est quand on oublie d'enfiler son préservatif. Savez-vous à quoi je pense, monsieur? Non. Rien de tel qu'un bon repas pour vous changer les idées. Ouais, j'ai perdu l'appétit, Georgette. Que dirait monsieur d'un bon lapin au pruneau? Vous voulez me faire manger un cadavre d'animal? Enfin, de la viande, quoi? Vous me prenez pour un charognard, c'est ça? Oh, monsieur, préférez-vous du poisson? Poisson crevé, ça vaut pas mieux. Crevé, pas si crevé que ça, hein? Comment pas si crevé que ça? Enfin, je veux dire crevé, mais pas depuis longtemps. Du poisson frais, quoi. Du poisson gorgé de mercure et de pesticides. C'est ça? Vous voulez m'empoisonner? Oh, je m'en... Ah ben oui. Oh, voilà le bureau des pleurs à présent. Eh oui, moi j'en ai marre à la fête. Ah ben comme ça, au moins on sera deux. Monsieur voit toujours tout négativement. Ah ben les névrosés voient rarement la vie en rose. Les oiseaux qui se font manger et monsieur qui croit que je veux l'empoisonner. Eh bien monsieur, c'en est trop pour une fille sensible comme moi. C'est moi. Ah, la reine mère à présent. Maman, je t'ai demandé 100 fois de sonner avant d'entrer. C'est bien simple, non? Tu me parais bien grincheux, Hubert. C'est pas bon signe. Qui as-tu, Georgette? Rien, madame. C'est toi qui démoralise cette petite? Ah, Hubert, ça va mal, hein? Faudrait voir un médecin. C'est déjà fait. Oh, bon? Et quand est-il ressorti? Ah, ben, une morsure à la main et un hématome à la partie la plus intime de l'anatomie masculine. À l'heure qu'il est, ce type, il doit avoir les burnes out. Il délire complètement. Et t'as pas de la fièvre, au moins? Oh, maman, tu m'agaces! Ah, et mauvais caractère avec ça! Oui, allez me chercher le somnifère qui se trouve sur ma lampe. Échevez, s'il vous plaît. Tu fais du rangement dans tes médicaments? Non, je me force à dormir pour oublier ta présence envahissante. J'ai une surprise pour toi. Attends-moi, tu ne seras pas déçu. Ah non, ça va promettre un peu. Allez, Georgette, merci. Il me manque que je sois dans les bras de Morphée. Dans les bras de qui? De Morphée, je vous dis.
Monsieur ferait-il des infidélités à madame? Oh, arrêtez avec vos réflexions stupides et retournez à vos fourneaux. Hein. Sire! Je salue Galabar, l'empereur du Camembert, du Briard Savarin, du Boursin, du Pont-l'Évêque. Et je vénère le magicien qui transforme en délices les papilles esquilles, breuvages, jaillissant des mamelles normandes. Bravo! Le comique, hein? Qui est cet énergumène? Ben, c'est Gaston! Il travaille comme clown à clinique. J'ai fait sa connaissance quand on m'a opéré de l'appendicite. Oui, alors tu vas dire à cette andouille qu'il fout le camp sur le champ. Allez, hop! Hors de ma vue! Hubert, ne fais pas ça à sa tête. Je vous laisse avec lui. Mettez-y le paquet. Mais c'est que... votre fils n'a pas l'air bien disposé, hein? Oh, il est d'une humeur de pitbull, mais ça lui passera. Oh. Cette andouille, disiez-vous? Oui. Mais dans ce bas monde, chacun a fait l'andouille à sa façon. Moi, habillé en clown, et toi, en costard craque. Je ne vous permets pas de me tutoyer. Nous n'avons pas gardé les vaches ensemble. Les vaches? Oui. Tiens. Je me rappelle une blague. Sais-tu comment on appelle un taureau avec un string? Parfait. Une vache folle, voyons! Une vache folle! Dis donc, tu m'as l'air d'avoir un sacré coup de blues, pépère! Faudrait peut-être un petit peu huiler tes rouages pour débloquer tes zygomatiques! Je n'ai pas le cœur à rire en ce moment. Tu veux que je te dise? Eh bien, tu es trop sérieux. Oui, il faut voir le monde comme un théâtre où tous les gens font le spectacle. Bon, les PDG ne sont pas là pour rire. Tu as tort. Oui, et crois-moi, la meilleure recette pour atteindre le bonheur, eh bien, c'est de prendre tout à la rigolade. Ouais, et puis pour ça, tu sais, tu n'as pas besoin de chercher loin, hein, tiens, regarde, tu n'as qu'à ouvrir la gazette. L'actualité ne prête pas à rire en ce moment. Eh oui, mais attends, je lis. Alors. Manifestation devant le palais de justice. Des centaines de kinésithérapeutes se massent devant les grilles. Kinésithérapeutes se massent. Oh, ça ne s'invente pas, ces choses-là, hein. Alors attends, tiens, ici, c'est la fête des ânes à Carnoux en Provence, vous êtes attendus nombreux. Tiens, même dans les petites annonces, alors tu vois, regarde, ici, chien à vendre, mange n'importe quoi, aime les enfants. Exténuant. Non mais, visez-moi la tronche du mec. Tu sais qu'au championnat du monde, des rabat-joie, mais tu décrocherais l'or, toi. Non, tu manques de punch. Il faut que tu bouges. Mets-toi au sport, par exemple. Du sport? Oui. Avec le mot, ça me fatigue. Fais du vélo. Du vélo? Faut pédaler, c'est exténuant. Tu rigoles? On est toujours assis. Bon, ben alors... Faut courir. Bon, faut courir. Ben écoute, alors, tiens, voilà, j'ai trouvé. Et toi au golf. Le golf, ça, c'est un sport pour les déchets. Il faut marcher. Ben écoute, je sais plus quoi te dire, moi. Aussi, alors, le mini-golf. Tiens. Je vais te raconter une histoire marrante. Voilà. Les histoires drôles ne m'intéressent pas. Oui, mais attends, celle-là, elle est authentique. Un jour, je rencontre un gamin qui était hospitalisé, et je lui demande comme ça, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton père? Et alors, il me répond,
Il est magicien. Et son truc à lui, c'est de scier les gens en deux. Ouais. Alors je continue, je lui dis, oui, mais attends, tu as des frères, tu as des sœurs? Il me répond, oui, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Alors, j'ajoute comme ça, je lui dis, mais dis-moi, il est gentil ton papa? Il me dit, mais bien sûr, il se met en quatre pour nous. Voilà. En ce moment, vous pleurez de rire ou de tristesse? De rire, voyons, pourquoi? Parce que je vois de la tristesse dans votre regard. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. C'est peut-être parce que je suis un clown de clinique. Dites-moi, vous n'avez pas marre là de rire bêtement comme ça, tout le temps? Mais non, bien sûr que non. Enfin, le rire, mais c'est la joie de vivre. La joie de vivre. Oui. Vous êtes déjà regardé dans un miroir, tenez, il y en a un, avec votre nez rouge. Vous avez l'air complètement stupide. C'est ma foi vrai que j'ai l'air triste. Vous avez la tête de quelqu'un qui fréquente les cimetières. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Dans le fond, nous sommes tous les deux dépaumés. Vous dans le rôle du bouffon minable, et moi dans celui du PDG déprimé. Arrête de me dire ça, tu me fous le cafard! Oh, il est temps que j'aille me coucher. Un conseil, mon brave, changez de métier. Alors, comment ça se passe? J'avais vu un mec aussi rigide à débloquer. Je vous avais prévenu, hein. Et Hubert, où est-il? Il est parti se coucher. Vous avez l'air tout triste, Gaston. C'est la première fois que je me fais traiter de bouffon minable. Quoi? Mon fils vous a dit ça? Oh ben n'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Mais si, il a raison, je suis un pauvre mec, voilà ce que mais je suis. Mais non, voyons. Oh, puis j'en ai marre de cette putain de vie, voilà. Oh, taisez-vous, un clown triste, moi, ben ça me sape le moral. Tiens, vous êtes là? À qui ai-je l'honneur, monsieur? Je vous présente Gaston, un clown désopilant qui est venu égayer Hubert. Un clown désopilant qui a une mine d'enterrement? C'est la première fois que je vois ça. Où est Hubert? Dans sa chambre, il dort après avoir pris un somnifère. Que vous arrive-t-il, Georgette? Moi qui aime tant les enfants, madame, je renonce à en avoir. Mais pourquoi? Je ne veux pas qu'ils sentent le moisi. Oh, je vois monsieur vous en avoir raconté n'importe quoi. Je vais mourir. Ce doit être le psychiatre. Eh bien, il est temps qu'il revienne, celui-là. Je vous laisse en famille. Attendez-moi dans la voiture, je vous ramène tout à l'heure à votre caravane. La consultation d'Hubert s'est mal passée, paraît-il. Oh, votre fils s'est conduit comme un grossier personnage. Ah bon? Oh, moi, je commence à en avoir par-dessus la tête, moi, des boursiers. Désolé pour le retard, madame, mais j'ai eu beaucoup de mal à toucher un pont. Docteur, mon mari fait régner dans cette maison un climat de déprime généralisé. Vous m'obligeriez, docteur, à le soigner au plus vite. Je suis la mère d'Hubert. De quoi souffre-t-il, au juste? D'un sévère burn-out, madame. Un quoi? Un burn-out, ou un état d'épuisement consécutif à du surmenage professionnel, si vous préférez. Oui, mais alors sur ce point, les choses sont en train de s'arranger. Mon mari est en train d'engager des collaborateurs supplémentaires. Hélas, il y a un autre problème. Monsieur Boursicot supporte mal le déphasage culturel qu'il vit à l'intérieur de sa propre famille. Que voulez-vous dire, docteur? Il m'avait expliqué qu'il se faisait difficilement aux usages en vogue de la haute société. Oui, c'est exact. La haute société! Que voilà un bien grand mot pour une bande de cul serré. Alors, cette femme est une vulgarité! Quel traitement préconisez-vous, docteur? Monsieur Boursicot devrait se ressourcer auprès de gens simples qui lui rappelleraient ses origines. Rien de plus facile qu'il retourne quelques jours chez sa mère, comme personne simple. On ne peut mieux faire. Non mais dites donc, arrêtez de péter plus haut que le cul, ça prendra tes courants d'air. Madame, épargnez-moi vos grossièretés. Une autre idée, ce
des grands espaces sont propices à l'équilibre mental. Ah ben ça tombe bien, j'ai quelque chose à vous proposer. Ah oui, ah dites. Mon vieux Jojo, il doit venir cet après-midi me rendre une visite avec quelques membres de cette communauté. Ah, une communauté religieuse, vous voulez dire ? Non, non, des babacools qui élèvent des vaches, des chèvres et qui fabriquent leur fromage artisanal dans les Hautes-Pyrénées. Ils reviennent justement du salon de l'agriculture où ils sont allés vendre leurs produits. Des babacools ? Oh, mais quelle horreur ! Tout de suite, les grands mots. Vous savez, les babacools ? Non. Eh bien, ils rejettent tous les symboles de la société de consommation, comme la télévision, le téléphone. Mais c'est pas une raison pour les dénigrer, non ? Ah, ben, il y a, c'est vrai que M. Boursicot fasse un petit séjour dans cette communauté. Cela ne pourrait être que bien salutaire. Oh, diable ! Vous me bâchez les gueux ! Vous ramenez la merde ! À du prix, vous m'entendez ? À du prix ! Regardez-moi ça ! La pédanflage outragée ! Ces gens accepteraient-ils au moins que de rencontrer M. Boursicot ? Oh, ben, je connais mon petit neveu. Il ne rechigne jamais à rendre service. Diable ! Docteur, il faudrait pouvoir ces femmes et pieds s'installer dans mon canapé. Rien que d'y penser, j'en suis dégoûtée. Il n'y a pas de quoi en faire un cocon nerveux, alors. Oh, pensez au bien-être de votre mari. Oh, il suffit, docteur. Une deux Bourbon Bussée ne se fera jamais chez elle des moins que rien. Vous n'en mourrez pas. La simplicité n'a jamais tué personne. Oui, votre réticence m'étonne, madame. Hein, c'est vous qui insistiez sur l'enjeu pour l'économie du pays. En fait, réfléchissez. Bon, c'est bien que ce que vous me le demandez, docteur. J'accepte à recevoir ces barbares. Mais une heure, hein, docteur. Et pas une minute de plus. Ah, oh, écoutez, c'est déjà cela. Et ne comptez surtout pas sur moi pour leur tenir compagnie. Ben, ça fait rien. La roture s'en chargera. Ah, je suis heureux de voir que les choses s'arrangent. Si vous le permettez, madame, c'est l'heure de venir de mes consultations. Je vais être obligé de vous laisser. Je vous en prie, docteur. Mesdames. Faites à votre guise. À tout à l'heure. Au revoir. Je raccompagne Gaston, puis je viens vous présenter ma petite veuve. Madame. Georgette, apprêtons-nous à recevoir des gens quelque peu particuliers. Qui donc, madame ? Je vous expliquerai plus tard. En attendant, filez chez le droguiste, achetez tout ce qui se fait comme produit répulsif contre les poux, les puces et les parasites de tout genre. Comment ? Madame trouve la maison mal nettoyée ? Mais non, il ne s'agit pas de ça, Georgette. Allez, filez, je vous dis. Bien, madame. Bon, maintenant, nous allons réserver à ces pithécanthropes un accueil digne de leur rang. Pas un centimètre carré ne doit échapper au traitement. Ah, nous sommes en guerre contre les parasites que ces vanipiés ne manqueront pas d'apporter. Et surtout, n'oubliez pas le tapis. Et que vous arrive-t-il, Georgette ? Ça pique à la gorge, madame. Oh, petite nature, regardez-moi, est-ce que je suis indisposée ? Madame se tient loin du front, moi je monte en première ligne, comme les poilus de 14-18, pour qu'ils débarquent par les gaz, hein. Enfin, Georgette, le droguiste nous a certifié que ce produit était inoffensif pour l'homme. Oui, pour l'homme peut-être, mais pour la servante. Bon, allez, continuez, je vous prie. Oh, la vermine n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Voilà, madame, c'est fait. Le dispositif de défense est en place. Oh, ça va, j'ai la tête qui tourne. Ah, ce sont eux. Faites-les entrer et puis allez vous reposer dans votre mansarde. Bien, madame. Aucun manant n'a jamais franchi le seuil de cette demeure. Pas même sous la Révolution. Et maintenant, voilà qu'ils envahissent les lieux. Bon, enfin, les temps ont changé, faut s'y faire. Bon, on verra bien. Jojo, je te présente une belle fille. Un Yolande de Bourbon Bussée, enchanté. Bourbon comme le whisky. Ben, veux Geoffrey, dit Jojo. Ben, va pour Jojo. Et voici deux membres de cette communauté, Sarah et Marguerite. Ben, je préfère ma vie, c'est plus cool. Je vous souhaite la bienvenue dans le domaine des chanterelles. Prenez un siège, je vous prie.
Ah, ben, si t'as un fauteuil en trop, je suis preneur, hein. Mais le problème, c'est qu'il rentrera pas dans la camionnette, hein. Oh, mais tais-toi, Jojo. Madame nous invite simplement à nous asseoir. Ah, ben alors, si c'est pour poser ses fesses, je veux bien. J'ai les guibolles plus fatiguées. Voyons cela. Faut excusez-moi. Il s'est pas posé aujourd'hui, mon ben, je vois. Tout est une question d'éducation. Qu'est-ce que ça sent, là? C'est vrai? Quelle drôle d'odeur! Il y a une usine chimique dans le coin, là? Mais non, du tout, du tout! C'est ma domestique qui a laissé choir sur le tapis un produit d'entretien. T'entends comme elle cause? Il faudra te faire à ce langage d'Aristo, hein! Quelles sont ces messes basses? Non, non! Je dis à Jojo qu'il t'a oublié son langage de bistrot. Pour un petit cadeau. Ah! Il s'agit d'un produit 100% naturel. Un fromage? Oh, merci! Ça s'appelle de la tomette de brebis et c'est fait maison. Vraiment? Attention, hein! Ça n'a rien à voir avec la trace industrielle qui sort de Dieu, quoi. Bah, il nous en restait du salon de l'agriculture, alors on s'est dit. Ben quoi, allez-vous même pas les jeter au cochon? Vous devez savoir que mon mari est aussi dans le fromage. Ben pareil qu'il est plutôt dans la panade, toi, donc je... Ben quoi, un peu plus Mario. Ben il est où le cousin, au fait? Il s'est assoupi sur son lit. Ah. Bon, en attendant qu'il se réveille, je vous laisse avec ma belle-mère. Et si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans mon boudoir. Ben c'est quoi un boudoir, hein? Je t'expliquerai. Hein? Bon, en tout cas, encore merci pour le fromage. Je ne vais pas résister longtemps à l'envie de le goûter. Elle est plutôt du genre guindée, la douairière. Mais t'as encore rien vu. Et si on réveillait le cousin? Ben, minute, moi je crève la dalle, il faut que je casse la croûte. Hein. Oh, mais tu penses qu'à manger, toi? Je te signale qu'on n'a rien becté depuis ce matin. C'est le fromage que tu viens de déballer qui sent aussi fort. Ouais, ça ramonne bien l'intérieur du pif, hein. Ah ben c'est pestilentiel. Il doit avoir un drôle de goût. Ben l'odeur est une chose, le goût en est une autre. Dans mon pays, on dit les belles femmes pètent autant que les autres. C'est pas pour ça qu'elles sont moins appétissantes. Ben, excuse-moi. Jojo affectionne le parler vulgaire des montagnards. Mais les citadins ont oublié la force des senteurs naturelles. Oh. Vous souvenez les filles, la première fois que nous sommes arrivés dans l'élevage de chèvres. Ça pue à 100 mètres à la ronde. À cause des animaux? Non, à cause de l'éleveur. Ils ne se lavaient plus depuis des lustres. Mais attention, hein, nous on n'est pas comme ça. Hein. Alors, la vie en communauté impose une hygiène stricte. Hein, les filles? Oui, on ne badine pas avec la propreté. D'ailleurs, Jojo nous donne le choix entre un bain ou une douche. Une fois par semaine. Bon, les filles, je vous en propose pas. Il n'y en a pas pour tout le monde. Hein. Fais au moins goûter à ta tante. Merci, sans façon. Mais c'est un fromage que nous fabriquons spécialement pour les bergers. Ouais, et il leur faut du costaud pour tenir le coup. Tiens, tu vas voir. Goûte-moi ça, tu m'en diras de nouvelles. Hein. Ah, tu sais, moi, le fromage, hein. Oh, fais pas ta chochotte en bas, là. Il est fort coulant. C'est de la morve du diable. Ça va, je te dis. Alors, ça dit quoi? C'est vrai que c'est du costaud, hein. Quand la morve est molle, les morceaux durs craquent bien sous la dent. C'est un fromage très sain et garanti sans conservant. Et qui nettoie bien l'intérieur. On le donne même comme vermifuge aux brebis. Oh, oh. Mais qu'est-ce que tu fiches? Ah ben désolé, Jojo, j'ai sorti tout seul. Oh, ben. Une bonne morve, ça se gaspille pas. Je te défrule. C'est un fromage qui a toujours le même goût, hein. Que tu le manges ou que tu le vomisses. Oui, comme un con. Ah non, c'est pas comme ça, Jojo. Tu devrais venir par chez nous, tantine, ça t'endurcirait. Vous tutoyez tout le monde comme ça? Mais c'est la règle dans une communauté égalitaire comme la nôtre. Le mouvement, l'héritage de la société capitaliste. Et nous, on a déclaré la guerre à l'esprit capitaliste. Mais qu'entendez-vous par communauté égalitaire? C'est qu'il n'y a pas de chef. Qui dirige alors? Tout le monde. Quand Jojo dit tout le monde, il oublie de préciser qu'on a tous intérêt à faire comme il veut. Mais c'est normal, vu que c'est moi qui réfléchis mieux, hein. Et combien êtes-vous dans cette communauté? 2 hommes et 1 femme.
Ah, le mariage est archaïque. Chez nous, les femmes, c'est comme le fromage. Elles sont à tout le monde. En réalité, nous sommes toutes les femmes de Jojo, puisque l'autre homme de la communauté est vieux et grabataire. Ben voyons, communauté égalitaire comme la vôtre, ben, ça donne envie, hein. Et qu'est-ce qu'elles font? Tous les jours à la même heure, elles s'abandonnent à Vishnu. Spirituellement parlant, bien entendu. Hein. Comme c'est étrange. Eh bien, Vishnu les rend zen en leur purgeant l'esprit. Ramani, Ashram, Hubert. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais Sarah implore Vishnu pour qu'il vienne en aide à ton fils. Vishnu? Ça serait pas un dieu hindou des fois? Mais tout juste, il apparaît aux femmes sous les traits d'un sublime jeune homme possédant quatre bras. Alors les rejoins, Tontine. Non, je suis parfaitement zen et mon esprit d'assez s'est purgé comme ça. Bah, tu verras comme c'est cool. Ah, puis m'asseoir par terre me fait gonfler les genoux. Mais t'inquiète, Vishnu est là pour y remédier. Oh, il fait des miracles alors. Ah, oh, mes genoux. Oh. Oh, Qu'est-ce qui se passe ici? Le docteur avait raison, ce truc-là, ça donne des hallucinations. Et bon boucher, moi. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Elles s'abandonnent aux caresses de Vishnu. C'est vrai qu'avec quatre bras, il y a quoi faire le bras. Mais Maggie dit rien, pourquoi? Elle n'est pas suffisamment zen, hein. Ah, ça se calme, on dirait. Elles sont heureuses. Vishnu les a comblées. Arrête, Vishnu. Répétons. Arrête, Vishnu. Vishnu, la grâce. Vishnu, la grâce. Vishnu, l'amour. Vishnu, l'amour. Vishnu, la paix. Vishnu la paix. Alors, avec tout ça, Vishnu a oublié de s'occuper de mes genoux. Vas-y, Jean-Jean, monte le stride. Alors les filles, c'était bien, hein? Oh, super. Oh, t'inquiète, ma lolotte, ça boumera mieux demain, mais longtemps. Hein. Ça aurait été plus fun si j'avais mangé du crabotin champignon. De quoi parle-t-elle? C'est-à-dire... Bon, mais dis-lui, elle va pas capter, hein. Le crabotin aux champignons est un fromage que nous fabriquons spécialement pour les bergers. Il aide à se déconnecter du réel pour être plus réceptif à Vishnu. Ben, qu'est-ce qu'il est si spécial, ce fromage? Disons, il fait planer. Comment ça, planer? Oh, mais t'as du vermicelle à la place des neurones. Faut tout expliquer, oh. On mélange le lait avec des champignons hallucinogènes que Jojo ramène de Katmandou. Ah, oh, t'en prends aussi, toi? Mais non! Moi, je suis au Viagra. Ah bon? Et t'as un problème? Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est pour tenir la comparaison avec l'autre que j'en ai besoin, là. On peut t'en faire goûter, si tu veux. Du Viagra? Ben non, Elle te parle du craboté en champignons. On en a toujours sur nous, tiens. Ah non, et cette fois-ci, je te prie de pas insister. Ben, respire-le au moins, alors. Alors, ça fait palpiter les narines, hein? Rien qu'à l'odeur, on sent que ce fromage est d'une grande finesse. Comment ça, d'une grande finesse? Fais sentir. Oh! Mais c'est pas du craboté en champignons, c'est de la tomate. Mais si c'est de la tomate, alors? Oh non, c'est pas possible! Ok, Aristo! Dans la première pièce, en haut de l'escalier, il va quand même faire du fromage hallucinogène. Se shooter avec du fromage, j'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Oh, salope! Bien fou, hein, mais faut
faut pas trop en abuser, sinon on dévisse complètement. Je me demande dans quel état Yolande est en ce moment. Oh, mais regardez, elle s'en est payée une belle tranche à faire ça. Yolande, elle est complètement déjantée. Ça vous plaît pour moi. Ça plaît pour moi. Ça plaît pour moi. Je sens que ça va pas tourner. Mais t'inquiète, l'effet est spectaculaire, mais bref. Oh, mais enfin, ça nous fait du bien d'être pété pour une fois. Un fromage qui pue et qui fait planer, eh ben moi j'adore ça. Oh, Yolande, me reconnaissez-vous? Toi, la vieille bique? Ta gueule! Mais tant mieux, c'est déjà ça, elle t'a reconnu, hein. Oh, approche, mon bel Apollon. Oh, vous avez vu les films, vous beau mec. T'en bats pas, Jojo, hein. Elle hallucine. Que faut-il faire? Rien, la laisser dormir, attendre que ça passe. Bon, allez, ma petite dame, on retourne à la case départ pour faire un petit dodo, hein. Bien, mon César, ta Cléopâtre s'offre à toi. Oh. Ah, je vais te montrer mes pyramides et mon jardin secret. Allez, attention à la marche, là. Alors moi, quand nous serons dans la chambre, je me ferai un plaisir de dresser mon obélisque. Hé, Jojo, attention à ce que tu vas dresser, hein. Mais rien n'est trop beau pour un pharaon, ma chère. La gaudriole, Milady. En effet, ça lui ressemble pas. T'as vu comme elle causait, on aurait dit une alcoolique. Tu sais, quand on a l'esprit dans les brumes, il n'y a plus de comtesse ni de pocheron. Tout le monde bredouille de la même manière. Ça, c'est bien vrai. Oh, ben dis donc, Sarah, t'as été un peu fort, là. Je t'avais prévenu, hein. Fallait pas laisser admirer ton obélisque de trop près, hein. Et comment va-t-elle? Ta belle-fille, c'est assoupie comme un marmot. Bon, ben, c'est pas qu'on se plaît pas, mais il faut dépenser à réveiller le cousin, hein, oh. Ah, ben, justement, j'entends son pas, hein. Il arrive. Ah, maman, t'es encore là? Et qui sont tous ces gens? Ben, comment? Tu reconnais pas ta cousin? Et quel cousin? Eh ben, Geoffrey, pardi! Il est venu te saluer avec quelques membres de cette communauté. Geoffrey? Oh. Ah, tu as changé depuis tout ce temps-là. Ouais, moi aussi, vieux. Ben, ben, je te présente Sarah et Maggie. Bonjour. Tout à l'heure, quand je suis sorti de la chambre, je vous ai vu en pleine méditation, alors j'ai cru que j'avais une hallucination. Ah, comme ça, il paraît que t'as le moral dans les chaussettes, hein? Oui, enfin, parlons d'autre chose, si tu veux bien. Alors, comme ça, vous vivez en communauté, c'est ça? Oui, dans les Hautes-Pyrénées, à 200 bornes d'ici. On y pratique l'élevage de chèvres. Pour faire du fromage. Ah, attention, nous, on ne fabrique pas de la crasse industrielle. Jojo veut dire que nous sommes de simples artisans qui prenons grand soin de nos produits. On ne gagne pas des milliers de cents, mais on a tout ce qu'il faut pour vivre. Et si ça le dit, viens passer quelques jours dans notre communauté, ça te changera les idées. Ah, merci, mais je ne suis pas en état de voyager en ce moment. Oh, Hubert, le docteur t'a dit qu'à ces gens et campagne, tu te ferais le plus grand bien. Je m'en fous, je ne vois personne. Oh, il a pas bonne mine, Jojo, ton cousin. Pas bonne mine du tout, ma mère. Il a une tronche à se faire péter le caisson. Alors toi, tu sais trouver les mots pour remonter le moral. Hein. Sarah a raison. Tu devrais venir avec nous dans la montagne, histoire de remonter la pente. Oh, excellent, Maggie. Mais t'as relevé le jeu de mots, là. Des pentes à la montagne, c'est pas ce qui manque. Oh là là. Mais dis donc, tu dois être vachement constipé par une mine pareille, hein. Bon, Maggie, fais-lui goûter de notre tomate, ça va le requinquer, hein. Mais quoi? La tomate. Ce fromage provient de notre réserve personnelle. Mais c'est délicieux. Et dans le moelleux. Affiné 9 semaines en Haloir et lavé à la Saumure. Voilà le résultat. Tu en veux? Oh ben non, merci. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon, je peux en prendre. Ouais, profites-en, cousin, profites-en. Hein. C'est le paradis du fromage chez vous. Et tu n'as encore rien vu? Notre communauté en produit beaucoup d'autres. Et tout aussi excellent. Ça me met l'eau à la bouche, tout ça. Alors,
Tu en penses quoi? Ah ben c'est d'accord, je viens avec vous. Ah, bonheur! Mais où tu oui. vas, là? Ben, je vais préparer les valises. Oh, une baloche! Mais toi, t'es bien le digne représentant de la société de consommation. Tu vivras comme nous, avec le strict minimum. Eh oui! Bon, mais qu'est-ce que tu fous encore? Ben, je cherche le chargeur de mon portable. Mais tu m'aboules ou quoi? On n'en veut pas de cette saloperie chez nous, oh! Ils ont d'excite les chefs, ils vont tourner le nez! Donc ça va, j'ai compris. Bon, maintenant tu peux lui donner, Sarah. Et quoi? Ainsi, le bienvenu, ce porte-bonheur que nous avons ramené du pays des Incas. On l'a trouvé sur une momie dans la vallée de Mouchir. Ce n'est pas toute première fraîcheur, hein? Et quelle odeur! Bah, une momie, ça ne se parfume pas avec des pollen. Et ce bonnet est sacré. Mets-le, et le dieu Inca Viracocha te protégera. Ah bon, il me protégera de qui? Ma femme. Ah, au fait, où est-elle? Elle se repose. Non, je ne voudrais pas que ça vous manque. Mais il te sera bien plus utile qu'à nous. Bah alors, tu le mets, oui ou non? Oh. Mais j'ai l'air malin. Si Yolande me voit avec ça sur la tête, elle rappelle le psychiatre à Illico. Ah, mais non! Mais non, il te va très bien, ce bonnet. Et puis, tu as le look papa cool. Ah, si tu le dis. Mon Dieu, Hubert, je t'ai reconnu. Oh, mais on y va, hein? Je te fais la bise, tantine. Allez, les filles. Allez. Allez. Hubert, oui. Oh, oh. Attends, hein. Comme ça, fais attention à toi, le climat de la montagne est capricieux. T'inquiète pas, maman. Allez, allez, vas-y. Les pouilleux ont vidé les lieux. Ah, bon débarras. Toujours à dénigrer le petit peuple. Vous ne changerez donc jamais. Je ne sais pas ce qui m'a pris à m'assoupir comme ça, au milieu de l'après-midi, mais j'ai attrapé un mal de tête. Ah, oui, Hubert. Il est reparti avec son cousin dans la communauté des Hautes-Pyrénées. Quoi? Hubert reparti avec ses zigotos? Mais fallait pas le laisser partir, voyons! Ça y est, c'est entendre ma faute et va te faire voir au milieu de tes pyramides et fais-moi la paix! Qu'est-ce qu'il vous prend? Il prend que la vieille pique te dit ta gueule! Bon, alors cette femme est complètement dérangée. Enfin, telle mère, telle fils. Oh, ce mal de tête qui passe pas, je crois que c'est une aspirine qu'il me faut. Parlez moins fort, on pourrait nous entendre. Ben, je parle comme je veux, je suis chez moi. Commandant Lardinois des services secrets. À part vous, personne ne doit connaître ma présence ici. Même pas votre personnel de maison. Enfin, si quelqu'un arrive, je prendrai l'accent arabe et me ferai passer pour la femme d'un cheikh qui souhaite acheter votre pavillon de vacances. Mais que viennent faire les services secrets chez moi? Le gouvernement m'a chargé d'une mission, madame. Supplé à l'absence de Monsieur Boursicot à l'Assemblée des actionnaires. Et vous comptez prendre sa place? Ah non, je n'ai pas cette prétention. Ben qui alors? Un sosie, oh. Tout simplement. Un sosie? Non mais enfin, c'est pas sérieux. Et votre mari ne serait pas le premier, madame. Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, pour ne citer que, avaient tous leur doublure. Merci pour la comparaison. Mais vous ne semblez pas prendre la juste et la pleine mesure du désastre qui s'annonce. À la bourse, oui. Le titre « Fromage de Normandie » ne cesse de chuter suite aux bruits alarmistes qui courent sur la santé de son PDG. Oui, je sais cela, madame. Cette chute entraîne une dégringolade en cascade de toutes les valeurs agroalimentaires du pays. Comme le dit l'adage, quand le fromage coule, c'est la France qui chavire. Les investisseurs américains sont déjà sur les rangs pour acheter à vil prix les fleurons de notre industrie et nous inonder de Saint-Nectaire et de Pont-l'Évêque fabriqué avec du lait de soja. Sans compter notre camembert, madame. Notre bon vieux camembert,
qu'il s'apprête à rendre plus coulant avec de l'huile d'arachide. Mais quel sacrilège! À qui le dites-vous? Même le président Macron n'en dort plus. Pour couper court à toute spéculation, il est impératif que celui qui passe pour l'empereur du fromage soit présent à l'assemblée qui aura lieu après-demain. Enfin, vous savez très bien que c'est impossible. D'où l'idée du sosie. Un sosie, mais je rêve. On nage en plein surréalisme. Et vous comptez le dénicher où, ce sosie? Mais nous l'avons déjà trouvé, madame. Quis-je? Nous avons épluché les fichiers de la police, de l'armée, de l'enseignement. Mais c'est dans celui de la justice que nous avons déniché l'oiseau rare. Ah bon? Bon. Un instant. Allô? Message de Pont-l'Évêque Crémeux à Marois-le-Coulant. Je répète, message de Pont-l'Évêque Crémeux à Marois-le-Coulant. Lancez l'opération fromage à pâte dure et faites entrer le Beaufort en voie d'affinage. Message terminé. Vous ne bougez pas, madame. Ah, vous ne bougez pas. Comme facile à dire. Vous ne bougez pas. Est-ce cela votre sosie? Enfin, mon mari n'est pas une musulmane. Nous l'avons simulé sous un voile par souci de discrétion. Je vous présente Maurice. Tiens, voilà une créature digne de la cour des miracles. Mais ne vous inquiétez pas, nos esthéticiennes vont le relooker pour en faire un monsieur boursicot plus vrai que nature. Et d'où sort-il? De prison, madame. Oh là là, Jésus Marie-Joseph. Ciel, un bagnard. Cet homme n'est pas un criminel. Il a juste été poursuivi pour vagabondage. Êtes-vous sûr qu'il n'est point dangereux? Mais non, bien au contraire. Maurice est un être sensible et farouche. Oh Dieu, il a une bouche à faire peur. Mais ne vous inquiétez pas, n'ayez crainte qu'il va passer entre les mains de nos meilleurs danseurs. Écoute-moi, mon ange. Cet individu ne semble pas avoir guère de conversation. Le voici, madame.
En le voyant, je vous préviens, vous allez avoir un choc. Ah, la ressemblance est stupéfiante, n'est-ce pas? Je suppose que vous reconnaissez en cet homme votre mari. Oh, je n'irai pas jusque-là. Comment cela? Il a été relouqué par nos plus grands spécialistes. Montre tes dents, Boris. Vous ne pouvez pas nier que notre orthodontiste a fait un travail remarquable. Tout ce qu'on ne peut nier en le voyant, c'est que l'homme descend du singe. Boris. Voyez-vous, commandant, la ressemblance n'est pas tout. Le pire est à redouter si cet individu prend la parole devant un parterre d'actionnaires. Ah, mais n'ayez crainte, il va rester muet comme une... N'est-ce pas, Maurice, que toi, pas parler? Ouais. Mais enfin, vous oubliez le discours, un PDG ne peut s'y soustraire. Ah, mais tout est prévu. Ah bon? L'adjoint de votre mari a été mis dans la confidence. Il se chargera lui-même du discours, après avoir excusé son PDG pour une extinction de voix. Tu as entendu, Maurice, hein? Si toi parler, toi voler au Newf, compris? Oui. Que signifie le Newf? La prison, madame. Oh là là, Jésus-Marie Joseph. Et est-ce que vous avez pensé à m'apporter des vêtements? Oh ben oui, oui, oui. Je n'ai pas eu trop de difficultés à rassembler ces vêtements, car Hubert s'habille toujours de la même façon, en public comme en privé. Vous les trouverez dans cette chambre. J'ai aussi pensé à prendre son eau de toilette. Excellente idée. Bon, alors maintenant qu'il aille se changer dans la chambre. Allez, Maurice, tu as entendu? Allez, allez, plus vite que ça, Maurice. Je vous sens dubitative, madame. On le serait à moins. Donner l'apparence. Cet homme portera les vêtements de mon mari, certes. Quant à lui ressembler, ça, c'est autre chose. Ben, vous avez raison, hein. Maurice doit absolument changer d'attitude pour ressembler à un manager. Donner l'apparence d'un chef d'entreprise à ce pauvre, enfin, vous fantasmez. C'est comme faire courir un cheval de bois au prix d'Amérique. Mais je ne suis pas d'accord. Il faut y croire, madame. Et d'ailleurs, je compte bien sur votre collaboration. Ma collaboration? Ben oui, vous êtes bien placée pour apprendre à Maurice à se comporter avec un minimum de classe. Auriez-vous l'impudence de demander à une femme de mon rang de faire l'éducation de ce rustre? Ah, mais sans votre contribution, l'opération est vouée à l'échec. Et je ne vous rappelle pas les conséquences économiques désastreuses que cela aurait pour notre pays. La France vous réclame, madame. La France vous regarde. La France, dites-vous? Si l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, alors je m'incline. L'histoire vous le rendra, soyez-en certaine. Le voilà. Ah, quel épouvantail! Mon mari n'est pas un modèle de distinction, mais alors, sa copie fait carrément clochard en dimanche. Tu as entendu, Maurice? N'oublie pas que tu dois avoir l'air d'un PDG. Ouais. Voilà. 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 Bon, et puis à présent, moi, je dois vous laisser. J'ai un rapport à faire à mes supérieurs. Je reviendrai récupérer Maurice ce soir. N'attendez pas de moi des miracles, hein, commandant? Juste une dernière chose que vous devez savoir. Oui. Ayant manqué d'affection durant son enfance, l'homme se montre très sensible aux marques d'affection, de gentillesse, surtout lorsqu'elles viennent d'une femme. N'est-ce pas, Maurice, c'est que tu aimes les femmes? Ouais. Jésus-Marie-Joseph. Rassurez-vous, il considère le beau sexe comme un substitut maternel. Vous remarquerez que le mot « maman » le fait littéralement au fond. Mais avec moi, il en saura pour ses frais. Je n'ai nulle intention d'attendrir cet individu. À ce soir, madame. À ce soir, commandant. Bonsoir, oui. Oh là là, j'ai l'impression que tout va mal se terminer. Approchez, mon garçon. Nous allons d'abord étudier la manière de bien marcher. Faites le tour de la pièce, je vous prie. Détendez-vous. Relâchez les épaules. Bon, aérez le mouvement. Non, mais pas trop. On croirait que vous êtes de l'autre bord. Bon, voilà.
Voilà qui est mieux. Ouais. Pas de rire animalier chez moi. Rappelez-vous ce que disait le commandant. Si toi, pas te taire, toi, allez au Newf. Ouais. Bon, nous allons maintenant étudier la manière de s'asseoir. Posez votre séance sur ce canapé. Posez votre séance, vous dis-je. Oh là 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 là. Asseyez-vous. Ah. Non. Votre postérieur doit s'abaisser plus lentement. Comme ceci. Allez, montrez-moi. Ne ralentissez pas trop le mouvement. Votre fessier n'est pas de porcelaine, que je sache. Bon, les applaudissements à présent. Dans une assemblée, on se doit d'applaudir la personne qui prend la parole. Alors montrez-moi. Là, on croirait un orang-outan à qui on offre une banane. On se doit d'applaudir les doigts avec la paume de la main opposée, comme ceci. Allez, montrez-moi. Bon, ben, vous vous abstiendrez d'applaudir. Ouais. Bon, nous terminerons par le sourire. Non, ce n'est pas du tout le sourire de mon mari, ça. Ouvrez votre bouche, on croirait que vous avez avalé une balle de golf. Ayez l'air plus enjoué. La cause me semble désespérée. Ouvrez légèrement les lèvres. Recommencez encore une fois. Bon, nous y sommes presque. Ouais. Bon, je crois que nous allons continuer les exercices plus tard. Mais à quoi vais-je bien pouvoir occuper ce bourre? Ah oui, approchez mon brave. Approchez. Vous serez gentil de mettre en tas les bûches qui se trouvent au coin de la terrasse. Ouais. Allez, au boulot. Oui. Oh là 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 là. Je vais enfin pouvoir terminer ma correspondance. Mais je ne la sens pas du tout, cette mise en scène. Vous savez? Mais alors, pas du tout. Où est-ce que j'ai bien pu la déposer? Elle n'est pas là non plus. La messe, alors, une fois que madame me donne mon après-midi, voilà que j'oublie ma sacoche avec tout mon argent dedans. Ben tiens, il est revenu. Alors, Mimile, qu'est-ce que tu fais? T'es sortie de clinique? Ben, viens me dire bonjour, qu'est-ce que tu attends? Ce n'est pas Mimile, mais monsieur. Je suis confuse, monsieur, je ne m'attendais pas à vous voir aussi rapidement. Monsieur ne dit rien? Ah, je comprends, monsieur, une extinction de voix. Madame, c'est elle que monsieur est de retour? Et la maman de monsieur? Monsieur a un sourire que je ne lui connaissais pas. Oh, monsieur, c'est un trangeolaire. Il s'en va toute chose. En plus, monsieur n'a pas lésiné sur son nom de toilette. Dois-je prendre cela pour une invitation? Oh, monsieur va me faire craquer. Oh, ça y est, je le sens. Je craque. Hubert, prends-moi. Prends-moi ce que tu veux. Tu es mon tigre. Ben, dis quelque chose. Hubert ne vous répondra pas.
Yolande, pourquoi vous m'avez pas dit que mon fils était revenu? C'est que... il vient juste d'arriver, voilà, c'est ça. Il vient juste d'arriver. Mais que s'est-il passé? Il s'est senti mal. Voilà, il s'est senti mal, ce qui a décidé les babacoules à le ramener. Allez ranger vos bûches dehors, mon ami. Allez, sortez. Dehors et plus vite que ça. Mais vous le traitez comme un garçon de ferme, ma parole. L'état de Maurice requiert de la fermeté. C'est le docteur qui l'a dit. Et en plus, vous vous trompez de prénom. Vous me paraissez fatiguée, Yvonne. Faudrait vous reposer. Bien. Oh, bah alors ça alors. Quoi? Voilà qui sort en courant. Qu'est-ce que vous dites? Bah regardez, il court en direction du parc. Mais faut le rattraper, voyons. Hubert, Hubert, oh, Hubert. Yolande. Georgette. Yolande. Georgette. Georgette. Apparemment, il n'y a personne ici. Où est-ce que j'ai mis mon portable, moi, déjà? Souvenez-vous, j'ai mis mon portable. Ça part là. Le chauffe. Là. Merci. Et encore la batterie. Oui. Allô? Oui, passez-moi ma secrétaire, je vous prie. Oui, ma petite Michèle, c'est moi. Alors, je vais très bien. Non, rien de miraculeux, non. J'ai justement goûté des fromages qui m'ont redonné une pêche d'enfer. Ouais, je vous raconterai ça plus tard. Bon, écoutez-moi, vous allez immédiatement téléphoner aux journaux pour leur annoncer de ma participation à l'Assemblée Générale demain. Comment c'est déjà fait? Et qui s'est permis? Ah, monsieur le ministre. Ah bon, et pourquoi? Bon, ça ne fait rien. Vous allez quand même appeler les journaux pour leur dire que j'ai été... Alors, chérie, on a retrouvé sa voix. On va pouvoir faire sa chose sérieuse. Georgette, vous perdez la tête ou quoi, là? Bravo, Kev. Mords-moi. Plante-moi tes crocs de tigre dans le cœur. Vous êtes certainement surmenée, Georgette. Et vous devriez y aller vous étendre. Oh, oui, voilà, vous étendre, oui. Mais pas toute seule. Alors. Cette femme est enragée. Oh, les lèvres brûlantes de désir ont léché ton cou. Non. Pour lécher tes épaules. Non. Ton ventre. Non. Ta. Non. Ne sois pas plus bas. Hein. Vous en restez là et votre langue ne lâchera rien du tout. Je suis toute électrisée à l'idée de sentir ton tampon sur la mienne. Oui, mais ce n'est qu'une idée, vous ne dire rien de plus, Georges, c'est qu'une idée. Oh, Hubert, prends-moi comme un tigre en hutte. Merci. Au secours, à l'aide. Oh, Hubert, ouvre. La panthère s'impatiente. Hubert, ouvre vite. La panthère te désire. Georges. Ah, maman. On se tait, on
on se tait. Yolande, enfin! Rappelez-vous ce que disait le commandant. Si toi, pas te taire, toi, allez au lion. Le témoin est complètement folle. Allez, mon ami, allez renviger vos bûches dehors. Allez, sortez, vous dis-je. On veut mieux obéir, une folle peut être dangereuse. Yolande, vous ne semblez pas être dans votre assiette. Bon, ben si, moi je vais très bien. Vous traitez mon fils comme un moins que rien. Ah, cette fois, c'est moi qui prends les choses en main. Hein. Quoi? Voyons, voyons. Mais docteur, qu'est-ce que... Docteur en médecine, psychiatre, ben voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je vous fixe un rendez-vous. Non, mais non, mais pas question. Mais c'est dans votre intérêt, Yolande. Moi, une deux bonbons bucés, me faire passer pour une démente aux yeux d'une femme du peuple. Ah, cette fois-ci, c'en est trop, je jette l'éponge. Que voulez-vous dire? Ah, au diable les secrets. Ah ben, approchez aussi, Georgette, autant que vous sachiez la vérité. L'homme qui se trouve dans cette chambre ressemble comme deux gouttes d'eau à Hubert, mais ce n'est pas Hubert. Je crois, Madame Blizzard. Votre cas est encore plus grave que je ne le pensais. Il faut faire venir un psychiatre de toute urgence. Il fait chaud ici, vous ne trouvez pas? Allez, venez, mesdames, nous allons continuer cette conversation dehors. Il fait chaud. Il faut que j'appelle un psychiatre d'urgence. Alors, docteur, psychiatre. Ah, mais tiens, l'annuaire est ouvert à la bonne page. Bizarre, tout étrange. Alors, docteur Chalandon. 04 42 73 51 27. Allô? Oui, docteur Chalandon? Hubert Boussicot à l'appareil. Oui, je vais très bien, merci. Non, je vous dis que je vais très bien. Mais c'est ma femme et la servante. Mais ils perdent la tête complètement. Alors, je vous explique. Je suis obligé de raccrocher, je vous rappelle très rapidement. Madame va tout expliquer. Vous devez oublier ce qui s'est passé entre nous. Il y a une erreur sur la personne. Oui, vous comprenez? Je vais vous dire. Taisez-vous, malheureux, si madame vous entend. C'est la prison qui vous attend. Mon petit Maurice, si toi... Pas vouloir aller au Newf, toi rester sage. Compris? Vous maintenant, à vous. Ouais, écoute, mon garçon. Ce que je vais te dire va peut-être te choquer. Mais il faut te rendre à l'évidence. Je ne suis pas et ne serai jamais une mère pour toi. Maurice! Allons, mon brave, réveillez-vous. Décidément, elle nous les aura toutes faites. Et dire que j'ai failli prendre le chiffre-main pour Hubert. Mais ça va pas manquer, Maurice. Maurice? Enfin, tu ne reconnais même plus ton propre fils? Enfin, c'est vous, Hubert? Mais bien sûr. Mais enfin, mais vous avez toute la berlue ou quoi? Oh, excusez-moi, je ne savais pas que c'était monsieur. Ah bon? Et vous pensez que j'étais qui? Oh, ben je sais plus. Oh, maman, tu vas pas recommencer. Bah, comment est-ce possible? Vous n'êtes pas Maurice? Maurice, mais qui est Maurice? Tu peux te vanter de nous donner de ses émotions. Mais moi, qu'est-ce que je devrais dire? C'est la famille Folding ici. Mon ami, je vois que l'air de la montagne vous a revigoré. C'est exact. Mais c'est le goût du bon fromage qui nous dynamise. Ah, en tout cas, tu ne mets pas de bonne humeur. À peine revenu, t'engueules tout le monde. Alors, il y a de quoi, non? Ah, il t'énerve pas comme ça, hein? Bon, allez. Ah, c'est pas la vraie, il faut que je boucle mon discours pour l'Assemblée Générale de demain. Oh, vous comptez vous rendre à l'Assemblée Générale? Ben, c'est normal. Ouais. C'est la place d'un PDG, non? Ça, non. Mais cela semble te contrarier. Du tout. Enfin, mon ami, ne serait-il pas plus sage que vous vous reposassiez? Je pense qu'à ça, quoi. C'est une manie, c'est quoi, hein? Bon, je remonte dans mon bureau. Et qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Espèce de timbre. Ça alors pour une nouvelle, hein? C'est une nouvelle, hein? Il faudrait peut-être lui dire la vérité. Ben, vous n'y pensez pas. Dieu sait comment il réagirait. Eh ben, sosie. Ah oh, oui, c'est vrai. Il faut le retrouver, celui-là. On va fouiller les abords de l'étang. Oui, allez. Enfin, Jojo, on n'entre pas chez les gens sans sonner. Oh,
Ah, mais tiens, je vais me gêner. Et puis rien qu'avec Hubert, le proprio, là. Tu parles de proprio? Bah alors, mais qu'est-ce qui t'a pris de marcher comme un zombie tout le long de la route? C'est curieux, il avait l'air tout à fait normal tout à l'heure quand on l'a déposé devant la maison. Bah, va me chercher le casse-croûte dans la bagnole si tu veux bien. J'ai l'estomac qui tire. Hein. Encore, mais tu n'es jamais rassasié, décidément. Oh. T'as perdu ta langue ou quoi? Bah alors, cousin, dis quelque chose. Ah, il est beau l'empereur du fromage. Ah ouais, on en reparlera les super managers. Hein. Ça joue les maths, tu vis en public, mais question morale, c'est plus fragile qu'une gonzesse. Hein. Ce monsieur veut parler à Hubert. Docteur Chalandon, mais c'est un psychiatre. Je suis venu un petit peu en vitesse, j'ai pas eu le temps de me changer. Mais c'est la providence qui t'envoie, Toubib. Il est là, le malade. Hein. Alors, monsieur, comment vous arrive-t-il? Ouais, tu t'assalives pour rien, il répondra pas. Je sais pas comment il a fait pour t'appeler, parce qu'avec nous, il reste muet comme une tombe. Vous êtes des amis à lui? On peut dire ça, oui. Bon, très bien. Bon, je vais nous sculpter dans la pièce voisine. S'il vous plaît. Je vous en propose pas, les filles. Il n'y en a pas pour tout le monde. Pour la chanson. Ah, mais quelle fumée, cette morve. Je m'en lasse pas, hein. Que faites-vous tous chez moi? Ben, on a ramené Hubert, mardi. Et il parle du vrai ou du faux? Et moi, je n'en sais plus, je crois rien. Mais si tu cherches ton homme, il est dans la pièce à côté. En train de se faire examiner par un psychiatre. Un psychiatre? Comment ça, un psychiatre? Il est arrivé quelque chose? Ben, ce matin, au saut du lit, il nous demande de le ramener illico. En arrivant, nous le déposons devant la grille de la propriété, avant d'aller faire le plein d'essence, et en revenant, qu'est-ce qu'on voit? Hubert qui marche long de la route comme un automate. C'est un mec curieux, ce cousin. On aurait dit qu'il était shooté. Tiens donc, ce n'est pas du tout le comportement de mon mari, ça. C'est le sosie! Ils nous l'ont ramené en pensant que c'était Hubert. Et pourquoi il est revenu aussi vite? Ben, on n'en sait rien. Il a seulement dit qu'en arrivant, il ferait une déclaration qui changerait le cours de notre vie. Hein. Tiens, docteur, quelle surprise! Mesdames, ne dites rien. Je vous demande pardon. Contentez-vous de répondre à mes questions. D'après vous, comment s'appelle l'homme que je viens d'examiner? Quel homme? Celui qui se trouve dans la chambre, madame. Bah, Hubert, bien sûr. En êtes-vous certaine? Enfin, docteur, vous ne l'avez pas reconnu? Et vous, madame, qui êtes-vous? Bah, vous savez bien que je suis sa mère. Ben, elle est complètement givrée, ce truc. Vous prétendez être sa mère? Non, je suis sa mère. Et vous, madame, éprouvez-vous une affection particulière pour votre patron? Enfin, docteur, votre question est incongrue. Répondez. Mais enfin, docteur, qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends plus rien. Monsieur Boursicot m'a appelé tout à l'heure. Il vous a appelé? Oui, il m'a téléphoné pour me dire que vous étiez tous les trois devenus folles. Bon, vous me semblez parfaitement saine d'esprit. Mais tu te trompes de malade! C'est le cousin qui perd la boule! Mais je dois admettre qu'il a fort changé en deux jours. J'ai même l'impression d'être en présence de notre homme, moi. Ben, c'est curieux, nous aussi. Oui, c'est vrai que Hubert est fort lunatique en ce moment. Oui, je sais bien, je l'administrerai un puissant sédatif. En vue de son transfert à l'hôpital. Oh, mais ça va pas du tout! Si tu le fous à l'hosto, on saura jamais ce qu'il avait à nous dire! Hubert! Docteur, je vous en conjure, ne l'hospitalisez pas. Écoutez, madame, son état nécessite l'admission dans un service psychiatrique immédiatement. Et moi, docteur, je vous dis qu'il n'ira pas. Écoutez, madame, ça suffit comme ça. Hein. Ça fait deux fois que vous faites le coup. Hein. Trouvez-vous votre médecin, maintenant. Oh, docteur, ne le prenez pas en mauvaise part. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Bon, Ah, mais à entendre le ronflement, mais d'avis qu'il n'est pas prêt de se réveiller. Hein. On ne peut plus attendre. Ah, on doit rentrer pour soigner les bêtes. Oui. Écoutez, si mon mari vous a promis de quoi que ce soit, c'est qu'il le fera. Ah, tout à fait, mon fils est un homme de parole. Ah ouais, de parole, on l'a bien entendu. Hein. Bon, je me charge de le réveiller. En attendant, je vous laisse avec ma belle-mère qui va vous conduire à la cuisine pour que vous puissiez vous restaurer. Ah, mais ça tombe bien, j'ai une faim de loup, tantine. J'espère qu'il y a de quoi pépé, hein. T'inquiète pas. T'inquiète pas.
Commandant, je vais y aller. Allez-vous retrouver Maurice ? Chut ! Parlez plus bas, il y a du monde. Où est-il ? Là-bas, dans la chambre. Et qui est-ce ? Très jolie maison, madame. Très jolie maison. Oui, mais je vous répète qu'elle n'est pas à vendre. Ah, mais dommage, vraiment dommage. Hubert, je vous présente l'épouse du cheikh, madame Abdoulwahid Abahir. Abdoulwahid Abahir. Comment ? Oui. Madame ? Monsieur ? Madame est envoyée par son mari pour acheter un pied-à-terre à Biarritz. Ah, fort intéressant. Mm-hmm. Et dites-moi, combien on fait, vous, pour notre superbe résidence ? Enfin, Hubert, notre maison n'est pas à vendre, voyons. Alors, si on peut faire une affaire, on ne va pas se gêner, non ? Et puis, il vous faut réfléchir. Et madame est venue accompagnée de sa sœur. Sa sœur ? Qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre ? Elle se repose. Le voyage l'a beaucoup fatiguée. Ah, mais elle ronfle fort, dis donc ! Nous avons un sommeil très profond dans la famille. Ah, ben oui, cela s'entend. Et lâchez-toi, Léla, réveillez parce que nous devons partir. Hubert, disparaissez dans votre chambre. Pourquoi ? Parce que la sœur de madame est très timide et la vue d'un homme la trouble plus haut point. Bon, dans ce cas, mes hommages, madame. Monsieur ? Madame, nos invités s'impatientent. Eh bien, retenez-les encore un peu, Georgette. C'est qu'elle commence à s'énerver. Surtout toujours qui insiste pour parler à monsieur. Eh bien, dites-leur que ce n'est plus qu'une question de minutes. Que monsieur va les recevoir tout de suite. Bien, madame. Allez-y, la voie est libre. Eh bien, bon débarras. Je ne sais pas comment on va s'en sortir dans cette histoire, mais alors j'ai l'impression que tout va mal se terminer. Ah, l'épouse du cheikh et sa sœur nous quittent à l'instant. Yolande, le moment est venu de nous expliquer. De nous expliquer de quoi, mon ami ? Il se passe des choses étonnantes depuis mon retour. Ah bon, vous trouvez ? Il y a d'abord Georgette qui pique devant moi. Une crise de nymphomanie en se prenant pour une panthère. Georges ! Oui. De plus, il y a ma propre femme qui me cloue le bec, me menace de prison en évoquant je ne sais quel commandant. Oh, vous avez du mal à entendre, mon ami. Ce que j'ai très bien entendu, c'est que tu m'appelais Maurice. Oh, mais non. Vous avez mal saisi l'intégralité de mes propos. Ah bon. Je parlais de Maurice en pensant... Ben, Ali Maurice, voilà, en pensant aux vacances. Et vous, vous n'avez retenu que le nom de Maurice. Bon, c'est sans doute à cause de la fatigue du voyage. Peut-être. Mais il y a aussi ma propre mère, qui m'annonce tout de go qu'elle n'est plus ma mère. Vous la connaissez, ses propos dépassent souvent sa pensée. Bon, et pour finir, je découvre cette femme étrange qui sort de nulle part, accompagnée de sa sœur qui ronfle comme un trombone dans notre propre chambre. Ah non, il règle un sentiment de folie dans cette maison que j'ai demandé au docteur Chalandon de venir. Au docteur Chalandon ? Oui. Enfin, comment est-ce possible ? Vous ne pouvez pas sentir les psys. Ben, c'est que la situation est très grave pour que je prenne une telle décision. Oh. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'est pas encore là, tout comme mon cousin Jojo d'ailleurs. Bien, ah juste... non, c'est pour aujourd'hui ou pour demain cette déclaration ? Ben, comment ? Mes amis étaient là. Et on ne m'a rien dit ? Ben, mais c'est pas tout ça, mais on est pressé, il va falloir plier bagages. Ben, ça c'est vous, Hubert, qui avez demandé à n'être dérangé sous aucun prétexte. Mais pourtant, t'as l'air bien réveillé, mon pote, hein ? Et en plus, t'as retrouvé l'usage de la parole. Mais pourquoi vous me racontez tout ça ? Alors, un cousin, qu'as-tu de si important à nous raconter la couche ? Bon. Oh. Eh bien, voilà, mes amis. En vous mettant sur ma route, la Providence a bouleversé le cours de ma vie. Hier, en arrivant dans votre village, dans votre communauté, Sarah m'a fait goûter tous les fromages que vous produisez. Ah, je les ai trouvés tous d'un goût et d'un moelleux exquis. Bon, à part la morve du diable qui est proprement un fait. Bah, c'est aussi mon avis. Alors, il m'est venu une idée. Diversifier la production du groupe fromage de Normandie en y développant à grande échelle un créneau de purs produits artisanaux. Et vos fromages en seront le fer de lance
bien entendu. Ouais, mais je vois ce que tu mijotes. Pas question que nos fromages aillent grossir les étalages des grandes surfaces. Et puis on tient nos secrets de fabrication. Mais ne parle pas trop vite, Jojo. Parce que les bénéfices iront pour moitié à toi et au reste de ta communauté. Mais on n'est pas des capitalistes, nous. Garde ton fric pour toi, on n'en veut pas. Dis pas ça, Jojo. Avec l'oseille, on pourra remplacer la camionnette qui est toute pourrie. Et retaper les murs de la grange qui menacent de s'effondrer. Bon, ben, il faut que j'en réfléchisse, moi. Je le connais, Jojo, quand il dit ça, c'est qu'il est d'accord. Alors, si je comprends bien, l'appellation fromage de Normandie n'aura plus lieu d'exister. Exact. Désormais, ça s'appellera les fromages du terroir. Jojo, demain je te présente aux actionnaires. Tu es désormais mon associé. Madame, madame, chut, il arrive une catastrophe. Tiens, l'épouse du chef. Excusez-vous, bon sang. Maurice s'est sauvé de la voiture et je n'ai pas pu le rattraper. Ah bon? Ben non, mais le pire, c'est que notre homme est retourné de lui-même à l'hôpital. À l'hôpital, non, je dis n'importe quoi, à la prison. Et qu'est-ce qui se passe là? Mais évidemment, là-bas, tout le monde l'a pris pour l'original. Les journalistes l'ont fait de toutes parts. Demain, la photo du soi-disant Hubert Boursicot fera la une des journaux avec un arrière-plan les mieux grillagés de la maison d'arrêt. Enfin, vous voulez-vous m'expliquer tout ceci? Commandant Lardinois des services secrets. Il ne faut pas nous en vouloir, Hubert. L'assemblée des actionnaires ne pouvant se passer de vous, madame, enfin je veux dire le commandant Lardinois, a eu l'idée de... L'idée de quoi? De vous remplacer par un sosie. Un sosie? Mais c'est monstrueux! Alors comme ça, vous êtes moqué de moi, hein? C'est ça? Je sais bien qu'il se tramait quelque chose là-dessous. C'est moi qui porte l'entière responsabilité de cet échec. Et d'ailleurs, je viens à l'instant de démissionner des services secrets. Messieurs, dames. Monsieur, vous êtes une victime de la raison d'État. Manque pas d'air, celle-là, hein? Allô? Oui. C'était qui ce QCR, là? C'est ce qui verrait plus tard. Bon. Ah, il va? Où ça? J'ai vous pardi. Ah oui, allez! Hubert! Oui. Ne me dites pas que vous avez l'intention de partir avec ces... Chut! Après ce que je viens d'apprendre, ma décision est prise. Je plaque tout pour m'installer dans votre communauté. Ben, si vous voulez de moi, bien entendu. Ah, et comment donc? Un homme de plus, ça ne se refuse pas. Je construirai une bergerie toute neuve sur mes propres deniers. Et je vous garantis des affaires florissantes. Bah tiens, tiens, baston. Baston? Je viens pour m'excuser d'hier. Ben pourquoi? C'était lamentable. Un clown triste, c'est désolant. Non, c'est moi qui vous dois des excuses. J'ai été trop dur avec vous. Non, depuis hier, je n'arrive plus à faire rire personne. Oh, faut pas te décourager, ça revient de quoi. Bon alors, on y va ou quoi? Allez. Hein? Quoi? Hubert? Oui. Ne me dites pas que vous avez l'intention de partir avec cette bande de... Marioles? Mais ces marioles, comme tu les appelles, sont des personnes honnêtes et généreuses. Et elles ne font pas de manière, elles. Vous resterez toujours un homme du peuple. Oh, Georgette, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous pleurez? Oui, je suis triste de voir monsieur partir. Oh, mais non, pour vous consoler, vous réserverez une place aux zoos. Aux zoos? La qualité? Ouais, c'est la place rêvée pour une panthère, non? Enfin, Georgette, qu'avez-vous à dire? J'ai honte, madame, j'ai honte! Vous ne voulez pas un clown pour votre communauté? On n'a pas 5 minutes tous les jours. Oui, je sens. On en aura avec nous. Ça sera marrant. Ah, mais entendu. Les bergers s'ennuient comme des rats morts dans la montagne. Ils ont besoin d'un gars dans ton genre pour les divertir. Hein. Attendez. Parler de certaines mœurs de bergers loin de leurs femmes, tout seul. Ah, mais ne te tracasse pas.
Tu verras, les bergers sont des gens très très attachants. Oui, mais justement, j'ai pas du tout l'intention qu'ils s'attachent tellement que ça à moi. mais si les bergers te font peur, tu n'auras qu'à faire ton spectacle devant leurs chèvres. Mais non, mais Sarah a raison. Elle donne plus de lait quand on les divertit bien. Bon ben, va pour les chèvres. Allez, on embarque tout le monde à la camionnette. Allez, à la camionnette. À la camionnette. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est un porte-bonheur. Ça me va bien, non? Non, mais écoutez ça, vous avez l'air d'un benet. Ah, et s'il me plaît, moi, d'avoir l'air d'un benet? Hubert, je vous en conjure, ne partez pas. Abandonner son épouse ne se fait pas chez les deux Bourbon Busset. Mais comme tu vois, j'inaugure. Et tu sais ce que je leur dis, moi, aux deux Bourbon Busset? Non. Ah ben, je leur dis d'aller se faire foutre, voilà. Fou, hein? Fou. Moi et mon fils, mon Hubert a bien fait de vous mettre à votre place. Oh, oh, oh. Avec son accent, patate chaude dans la bouche d'Aristo, elle commence à me courir sur le haricot, celle-là. Génial. J'ai même le nom des acteurs à te proposer. C'est l'histoire d'un PDG qui déprime à cause de son boulot. Dans le rôle du PDG, j'ai pensé à Thierry Mardirossian.
peut-être. La pièce de Les Tréteaux de Carnot, c'est un immense plaisir de donner pour vous ce soir, Monsieur Charles Istas. On est des cours majestueux interprétés, enfin réalisés par Bionnet. Aidé tout de même en cela par Patricia. De son, Bernard Schultz. Dans une mise en scène de Tony Tumaillant.